Bonjour, alors j'ai commencé avec un petit relevé de solo de Dado Morni que je suis en train de travailler. Comme vous voyez, c'est un travail pas fini, il manque des bouts encore, etc. Et je voulais inaugurer ça avec une série de vidéos. Enfin, je voulais inaugurer avec ça une série de vidéos dont l'idée m'est venue ce matin en travaillant, en confinement, comme tout le monde chez moi. Une série de vidéos sur le relevé. Donc juste pour dire pourquoi j'ai eu cette idée, c'est que moi je fais partie des musiciens qui a appris à peu près tout ce que je sais, à 95% à peu près, à partir de relevés que j'ai fait sur mon instrument, d'instrumentiste, et du travail qui a suivi le simple fait de l'écrire, évidemment. Et je me retrouve à essayer de transmettre cette méthode-là, cette méthodologie-là à mes élèves, au conservatoire à Bobigny notamment, et à souvent me retrouver face à des élèves qui se contentent de relever le morceau au sens technique, c'est-à-dire d'écrire la partition de ce qui est joué. Et une fois que ça s'est fait, en fait, ils s'arrêtent en pensant qu'ils ont fait le relevé. Alors effectivement, ils ont fait un relevé, mais ils n'ont pas commencé à travailler. Parce qu'à proprement parler, le travail du relevé n'a pas commencé quand on a écrit la partition. D'ailleurs, je déconseillerais même, on en reparlera plus tard, d'écrire la partition au début. Ça fait un moment que je pense à comment faire des vidéos sur le relevé, et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite expérience, c'est-à-dire de commencer, en fait, par une série de vidéos, à faire tout depuis le début, en direct. C'est-à-dire ne pas arriver avec un relevé tout prêt. Voilà, j'ai fait ça, je le joue bien, et voilà à quoi ça sert. Non, vous montrer comment c'est long, comment c'est difficile, comment on passe par des étapes où on ne sait pas comment on va faire, et éventuellement aussi faire bien prendre conscience que le chemin est plus important que le résultat, ou que l'arrivée. Quand on fait un relevé, on va se retrouver, surtout un relevé un petit peu exigeant, on va se retrouver avec des difficultés techniques à résoudre, qui vont nous faire progresser sur l'instrument. Et si, à la fin, on s'aperçoit que finalement, on ne peut pas jouer le relevé exactement comme on aurait voulu au début, comme on en aurait rêvé, ça n'annule pas du tout le travail qui a été fait, tout ce qui a été fait, tout le chemin qui a été fait. Et c'est surtout ça qui est important. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire avec vous. Je choisis vraiment un relevé que je ne connais pas et on va se décider. Donc là, je vous incite à réfléchir à un seul truc très important, c'est qu'est-ce qui me fait envie ? Parce que je vais passer des heures dessus. Donc pas qu'est-ce que je dois relever. C'est pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Non, non. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer, moi ? Moi, je sais. Je vais vous donner mes critères. Les vôtres seront différents, mais les miens, c'est j'ai envie de jouer des solos où j'entends l'alternance du vertical harmonique, quand quelqu'un joue très bien les accords et on entend très bien où il est dans la grille, on entend vraiment les passages d'accords, et en même temps qu'il est capable de mélanger ça avec une sorte d'expressivité bluesy, un peu modale, un peu plus horizontale. Je peux penser à Freddie Hubbard, je peux penser surtout à Wes Montgomery pour ça. Donc c'est vrai que j'ai une petite idée d'un solo que j'ai envie de faire, de Wes Montgomery. Un autre des critères que j'aime bien utiliser, c'est que ça me sorte de ma zone de confort. Autrement dit, je ne vais pas utiliser des solos de contrebasse parce qu'il y a des doigtés, des choses qui sont un peu évidentes souvent. Je vais plutôt aller chercher des choses vu que j'ai le temps, j'ai du luxe. Le luxe, c'est le temps dans ce cas-là, j'ai le temps de travailler. Je vais aller vers quelque chose qui va me poser des difficultés, donc plutôt un solo d'un autre instrument où les choses ne seront pas évidentes, il faudra adapter et trouver des solutions. Donc je vous propose, pour ceux que ça intéresse, de faire ce chemin-là avec moi. Je vais faire une série de vidéos, je ne sais pas combien il y en aura, je ne sais pas jusqu'où ça me mènera. Je vais m'arrêter pour celle-là aujourd'hui, enfin, ici maintenant, et je vais réfléchir à quel morceau je choisis de relever, ou quel solo je choisis de relever, et je reviens vers vous avec ce solo, et on commence le travail.